WikiLeaks alimente de nouveau la polémique. Cette fois-ci, le site internet dirigé par Julian Assange s'en prend à l'agence américaine de renseignement stratégique, Stratfor, et s'apprête à diffuser une nouvelle série de télégrammes secrets échangés avec le gouvernement américain. Parmi les révélations chocs à venir, l'implication de combattants kurdes aux côtés d'Israël dans la lutte contre le programme nucléaire iranien. WikiLeaks rapporte un échange de mails datant de novembre 2011, il y a un peu plus d'un an, au sujet de l'explosion d'une base militaire iranienne près de Téhéran, une action qui aurait été menée par des commandos israéliens, c'est ce qu'aurait donc affirmé l'une des sources de l'agence Stratfor, interrogée par le Pentagone sur les risques d'une offensive israélienne contre l'Iran. À défaut d'embarrasser les responsables israéliens, cette information confirme que l'État hébreu se trouve bel et bien engagé dans une guerre secrète contre la République islamique. Polémique après les propos de Mahmoud Abbas sur Jérusalem. Lors d'une conférence sur l'avenir de la ville sainte qui s'est tenue à Doha ce week-end, le président palestinien n'y est pas allé par quatre chemins. Jérusalem est et restera toujours une ville arabe, a-t-il notamment déclaré, encourageant au passage les musulmans du monde entier à s'y rendre pour renforcer le contrôle palestinien sur la ville. De quoi rendre furieux les responsables israéliens, en particulier Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien a accusé Mahmoud Abbas d'incitement à la haine et a réitéré sa position sur cette épineuse question. Depuis des millénaires, Jérusalem est et restera la capitale éternelle du peuple juif, a-t-il déclaré. Entre Netanyahou et Abbas, la guerre des mots est déclarée. Le conflit israélo-palestinien ressurgit de nouveau au sein des campus français. À Paris 8, en Seine-Saint-Denis, la direction de l'université a été contrainte d'annuler une conférence anti-israélienne organisée ce lundi en marge de la Semaine internationale de l'apartheid. Et pour se justifier, Pascal Binzac, le président de la faculté, a parlé des risques importants de troubles à l'ordre public. Sa décision a été vivement condamnée par plusieurs organisations pro-palestiniennes, notamment le collectif Palestine de Paris 8, qui dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Reste que la conférence en question n'avait pas grand-chose de pédagogique. Son objectif, d'après les tracts diffusés sur le net, débattre des nouveaux outils sociaux, historiques et légaux pour amplifier la campagne internationale de boycott contre Israël. Stories contending for best foreign language film tonight. Movies are from Belgium, Israel, Poland, Canada, and Iran. And here they are. The Separation, Iran, Oscar Faradi. L'Iran et Israël étaient au coude à coude à Hollywood pour l'Oscar du meilleur long métrage étranger. Mais sans surprise, c'est le film iranien Une séparation du réalisateur Asghar Farhadi qui l'a emporté au détriment de Footnote de l'Israélien Joseph Sedar. Sur scène, Asghar Farhadi en a profité pour rendre un vif hommage à son pays, l'Iran, dont il a vanté notamment l'excellence culturelle. Du côté de Téhéran, on a bien sûr exploité ce triomphe cinématographique pour saluer une victoire sur l'ennemi sioniste. Retenez bien son nom, Shaker, c'est la nouvelle application qui s'apprête à faire fureur parmi les fans de NBA, le prestigieux championnat de basket américain. L'idée vient d'une start-up israélienne qui propose de créer des avatars pendant les matchs de basket, et ce pour permettre aux supporters de communiquer entre eux et d'interagir. Un premier test aura lieu lors de la grande finale des All-Star Games, mais d'ores et déjà, le modèle fonctionne déjà en Israël avec l'émission Big Brother. La start-up a en effet conçu une maison virtuelle pour les adeptes de ce programme de télé-réalité. Ils peuvent désormais suivre leur personnage favori en temps réel.